Eh bien, salut à tous! J'ai toujours pas mangé, j'ai toujours pas allé boire un verre, j'enchaîne les vidéos, ça fait une heure que je parle ou deux dans le vide. Forcément, vous êtes pas là, vous êtes pas derrière. Mais maintenant, vous êtes là. Et maintenant, vous allez pouvoir gagner quoi? Tiens, on va passer sur le Traxxas E-Max. Oula. On va commencer à en enlever parce que ça devient problématique pour garder l'équilibre. Ce Traxxas E-Max, on a fait les vidéos, vous le savez maintenant, ce n'est pas un engin solide. C'est un des engins qui a fait toute la ribambelle de hater Traxxas. Et c'est justifié. C'était vraiment catastrophique. Donc, on a reçu de la part de Projo Hi-Tech la tourelle arrière RPM que j'ai cassée. Vous avez un combo surpasse dessus, 120A 4S. On va monter un petit peu le punch. Ou du moins, on va laisser la carte de prog avec. De toute façon, elle est avec. Donc, le gagnant pourra monter lui-même son punch. Moi, je vais installer la tourelle. On lui passera un petit coup de soufflette. On ne va pas le mouiller parce que les Traxxas de cette époque-là, ça rouille vitesse grand V. Il y aura une carreau renforcée avec Elsa CRC Body. Tu as 4 roues en état et encore 2 avec. Qu'on a piqué sur un Erevo qui part aussi en tombola, qui lui avait 2 pneus déchirés. Enfin, lui, il en avait un, l'autre un. Donc, voilà, on fait celui-là avec ces roues-là. Et sur le Erevo, on trouvera autre chose à mettre dessus. Tu feras gaffe, comme dit, si tu heurtes, tu vas casser la suspension, etc., etc. On a quand même déjà renforcé l'avant, parce qu'on avait déjà une petite casse aussi de l'avant. Tout ça en 10 ou 15 petites minutes de vidéo, pour te dire que je t'ai pas raconté de bêtises en te disant que ceci n'est pas vraiment solide. N'est-ce pas? Donc pour gagner ce Traxxas E-Max, tout comme pour gagner tout le reste de ce qui est sur cette table, et ce qui est déjà tombé à côté parce qu'il y en avait trop, tu dois trouver les vidéos qui sont toutes sorties ce dimanche-là, aujourd'hui. Il y en aura 14 ou 15 des vidéos. Il y en a une, deux, trois qui sont en cours de tombola sur d'autres chaînes. Je te répète que là, tu vas voir Rick Fu, la chaîne Rick Fu, R-I-C, espace Fu. Là, tu vas voir le Barak RC. Pour celle-là, tu vas voir RC Drick. Et là, tu attends sagement que Yves de RC Fast Cars, la boutique, puisse venir chez nous pour te faire gagner ça. Et Yves de chez RC Fast Cars, il nous amène aussi les pièces qui nous manquent sur celui-là. Et celui-là, il est là grâce à Race RC Modélisme. Il a une boutique, il a un club de loisirs, RC. Et il fait des après-midi réparation. Donc, tu vas le voir avec ton engin abîmé, il t'explique comment le réparer pour la fois d'après. Hein, c'est un passionné, il est là, il est dispo, il a eu des temps vraiment très durs à traverser, comme d'hab, il a foncé droit dedans, il a traversé, et il en est sorti presque entier. Et là je vais y aller parce que il va me tuer. Donc une pensée pour nous, vous tous, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Race RC Modélisme. Et si je me suis trompé, parce que j'arrête pas de le dire à l'envers, ça sera Race RC Modélisme ou RC Race Modélisme. C'est RC Race Modélisme. Je le dis toujours à l'envers parce qu'il y a une boutique allemande qui s'appelle Race RC. Donc, c'est l'inverse. Alors, répète après moi, Mani. Ceci est une chaîne RC qui s'appelle RC Race Modélisme. Allez voir sa chaîne YouTube, abonnez-vous, passez-lui un petit message. Je vous garantis qu'il y en a plein qui auraient laissé tomber. Il est toujours là parmi nous. Et il continue son club. Il continue les réparations. Il est dispo sur rendez-vous. Passez le voir. Donc pour gagner maintenant ce E-Max, je l'ai dit, je me perds. Ça y est, c'est fini. On a perdu, Mani, il n'y a plus personne. Les glucides sont finis. Plus de stock. C'est l'heure d'aller manger. Non, je ne vais pas abandonner si vite. Il y en a encore deux à faire. Yeah. Pensez à votre petit commentaire, on fera le tirage au sort d'ici dans les 15 jours. Je dis pas d'ici 15 jours, dans les 15 jours, je vais faire la vidéo du tirage au sort, on la mettra en ligne. Le gagnant aura un délai de 15 jours pour me dire que c'est lui qui a gagné, sinon il l'aura loupé. Tout simplement, et ça passera au suivant. Ciao les kiki. Et scrutez bien la chaîne. Il y a actuellement 18 véhicules à gagner. Il y en a 14 ou 15 aujourd'hui, il y en a 4 qui sont déjà en jeu, ça fait 19 et il y en a encore 2 qui arrivent, ça fait 21 véhicules à gagner. Note ça dans tes stats.